Alors aujourd'hui, ma chère Alexandra, nous sommes le vendredi 28 août 2020 et papy t'a fait une belle surprise, une petite montée jusqu'aux Dames de Meuse. Une petite montée. Si, bah, t'as déjà eu la montée, t'as vu, en voiture. Ouais. Mais je t'avais dit quand on stationne en bas maintenant. Après il n'y a plus de béton. La montée à pied est pire que la montée en voiture. Ouais. Donc là, on est à Pince. Il y a un banc dans un virage. Il y a un autre banc dans un virage. Dans un autre virage. Au cas où. Donc on fait une petite pause. Ouais. On essaye de reprendre notre souffle. C'est haut. C'est haut, mais c'est beau. Hein. À la petite côte, c'est pas comme ça. C'est comme et ça, hein. Attends, t'imagines bien qu'on n'est pas encore à la fin du parcours. Ah bah oui. On vient juste de partir. Voilà. Il y a 10 minutes. Enfin, un quart d'heure. Mais tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. T'es contente, hein, ça fait longtemps que t'étais pas sortie. Ça fait longtemps, ouais. Ça se sent, hein. Ça se sent. Bon, à tout à l'heure, hein. Ouais. Coucou, au revoir. À tantôt, comme disent les Belges, hein. Alors, je ne sais pas qui mon Alex, chez les complotistes platistes, prétendent que la Terre est plate. Est-ce que pour toi, la Terre est plate? Alors là, non. Elle est loin d'être plate. Alors, prochaine fois que tu tombes sur un platiste, tu me l'envoies, je lui fais faire la grimpette des Dames de Meuse, il va comprendre ce que c'est. Que la Terre plate, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais. Voilà. Ben oui, la Terre n'est pas plate, papy. Ben ça c'est sûr. Alors, on imagine bien que, voilà, ça fait 10 jours que t'as pas marché. T'as vu que ça commence bien pour toi. Ouais. Mais tu vas voir au bout le paysage qu'il y a. Tu vas encore nous faire des superbes photos. Hein, que même papy sera honteux de ses photos, lui, par rapport aux tiennes. Bon, on continue, hein, c'est pas tout ça, il nous reste 1,2 km, hein, c'est marqué dessus là. Ouais, voilà. 1,2 km. Alors, bien sûr, ma petite fille Alexandra nous fait encore des photos d'enfer. Des photos, fais voir à la caméra. Oh la gueule. Oh la gueule des photos. Ah ben c'est quand même autre chose. Heureusement que je suis meilleur dans les films que dans les photos. Hein. Ah, tu dis oui aussi, tu l'avoues. Tu l'avoues que je fais des photos de merde. Et j'essaie de voir si ça fonctionne. Je sais pas. Ah non, ça a de la gueule. Tes photos ont de la gueule. Hein. Bon, donc, tu confirmes que ça valait le coup, ouais, ça valait le coup. De monter ici. Ouais, tout en petit, c'est bon. Regarde avec la belle boucle de Meuse. Là. Ouais, la photo de bon, là, on a voulu faire avec ma petite Alexandra. Une photo dangereuse, j'ai voulu qu'elle soit à la même hauteur que moi, mais en fait elle est beaucoup plus grande que moi. Tout d'un coup, son pied s'est barré comme le pied de papy autrefois à la chaise de la fileuse. Ouais, bah, je l'ai retenu, sinon tu tombais. Alors là, c'est pas 2 mètres ou 4 mètres là. C'est haut. Hein, c'est haut là. Ouais. Au pire des cas, je serais tombé là. Donc, comme je disais l'autre fois, je te dois une vie. Bah, maintenant, on se doit plus rien. Le prochain qui tombe, c'est moi. Ok? Chacun son tour. Ça marche. Bon voilà, donc une petite pause. Après avoir failli perdre la vie. Heureusement que le papy, il est comme toi. Hein. Bah ouais. Parce que toi, tu as été costaud hein, pour en me retenir. On est tous costauds dans la famille. Oui, on est tous costauds parce que on mange bien. Ah bah oui. C'est ça, on mange bien puis on marche. Hein. C'est le cochon. On n'est pas des feignants, nous. Hein. C'est le cochon. C'est le cochon. Ah voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est le cochon. Dans le cochon, tout est bon. Mais et pas. C'est comme ça, c'est grâce à ça d'ailleurs. Qu'on est résistant parce que dans les bois, nous on devient comme des sangliers, on est des cochons sauvages, et puis c'est tout. Donc voilà, les petits enfants, nous sommes arrivés aux Dames de Meuse. Superbe grimpette, mais superbe paysage aussi, comme vous pouvez le constater. Ça valait le coup quand même de monter là. Hein. Bah alors, t'as pas l'impression de tuer quelqu'un là? Ben, normalement, quand on franchit cette passerelle là, on est dans la réserve de sangliers. Donc si tu vois un sanglier derrière mon cul, c'est pas la peine de t'affoler, il est pour moi. Rien à signaler. Rien à signaler. Tout va bien alors. Et là non plus, tu te feras pas manger le cul. Ah, à la bonne heure. Eh ben je remonte. Il est pas venu ce con là, le sanglier de merde.